Ce matin, Lionel Cox a rendez-vous dans sa ville, celle où il est né, celle où il vit. Aux côtés du champion d'Europe de boxe, Cérésien également, il devient citoyen d'honneur. Ça prouve encore une fois que même en étant au pied des hauts fourneaux ici et respirant la poussière, on sait encore avoir du talent dans notre commune. Voilà, merci. Depuis son retour de Londres, il y a un peu plus d'un mois, c'est sa 20e apparition publique. Une réception de plus maintenant, bon, c'est ici dans ma propre commune où j'habite, bon, c'est toujours un grand moment. C'est une vie à 100 à l'heure que Lionel Cox découvre depuis les JO. À chaque représentation, il doit prendre congé de son emploi d'inspecteur du travail. Car son sport, il le pratique en amateur. Seule sa médaille d'argent lui a rapporté une prime, 30 000 euros brut. Ça m'a coûté bien plus pour y arriver que ce que m'a rapporté la médaille. Dans le tir, on ne gagne jamais rien, même si on gagne un championnat d'Europe ou quelque chose comme ça. On n'a pas de prime, pas d'argent, en fait, on ne gagne rien en fait. Les moments de calme, ce tireur à la carabine en vit peu actuellement. Toute cette agitation lui apporte cependant satisfaction. C'est une récompense pour toutes ces années de travail. Mais ce sportif gère parfaitement l'après-Jeux Olympiques. On ne prévoit pas tout ça quand on tire un match à Londres. On ne pense pas à tout ça. En soi, ça n'a pas beaucoup changé ma vie. J'ai toujours le même boulot, je travaille toujours à temps plein, je m'entraîne toujours, j'aime toujours le tir et je ne compte pas m'arrêter là. Après une réception chez le Roi la semaine prochaine, Lionel Cox participera fin octobre à la finale de Coupe du Monde de tir à la carabine en Thaïlande, avant d'enfin se reposer quelques temps pendant la trêve hivernale.